Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Google Formation. Sur cette vidéo, on va voir comment on peut synchroniser l'heure d'un système d'exploitation Windows avec des lignes de commande ou bien avec l'invite de commande. La manipulation est très simple, il suffit seulement d'un peu de concentration. Donc euh, la première action, c'est que euh, on va exécuter l'invite de commande en tant qu'administrateur. Donc pour cela, il faut maintenir la touche Windows et cliquer sur la touche X. Et après, vous cliquez sur Exécuter, vous tapez CMD. Et après, vous maintenez la touche euh, Ctrl, Shift et Entrée pour exécuter le programme en tant qu'administrateur. Donc comme ça, le programme va s'exécuter en tant qu'administrateur pour vérifier. Et il suffit seulement que vous voyez tout en haut à gauche sur le, le titre de la fenêtre, vous aurez Administrateur. Donc comme ça vous pouvez exécuter votre commande. On va commencer par la première commande. Je vais vous euh, l'écrire ici. Donc vous pouvez la noter directement. Donc cette première euh, commande donc pointe le serveur ou bien le, le, le service de synchronisation Windows sur euh, le, le serveur time.windows.com. Donc comme ça il sera... Euh, il va se synchroniser à partir de ce site là ou bien à partir de ce serveur là et après il faut euh, il faut saisir une deuxième commande c'est win32 w32 time tm espace s'il vous plaît il faut pas oublier les, les espaces config editable, de yes et après après donc euh, pour euh, on peut voir l'état de la synchronisation donc pour c'est win32 c'est w32 km time slash espace query espace statut ou bien state et après on va y avoir l'état de notre euh, service Et après, une autre commande pour forcer la synchronisation. Donc c'est W32TM slash resync slash force. Donc comme ça, la synchronisation sera forcée. Donc ainsi Windows, il va forcer la synchronisation sur ce serveur-là. Et comme ça, notre système d'exploitation va se synchroniser directement sur ce serveur-là sur time.windows.com. Et pour rester dans le même contexte, donc pour quitter l'invite de commande avec un code linéaire, c'est tout simplement exit. Donc ainsi, vous allez quitter l'invite de commande. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner, à liker cette vidéo et me laisser un petit commentaire, vos, vos suggestions. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. A bientôt.